J'aurais pu prolonger à un moment donné, mais vraiment en réfléchissant bien, je pense que j'avais besoin de découvrir autre chose. Bah, il y avait d'autres possibilités en Ligue 1. À partir du moment où le Racing s'est positionné, ça a quand même été assez rapidement clair dans mon esprit. En fait, franchement, la seule crainte que j'avais, c'est que voilà, ça s'est su assez tôt. Et c'était qu'on vienne embêter ma famille ou quoi que ce soit. C'était vraiment la seule crainte que j'avais. Après, comme je l'ai dit, j'ai fait mon choix avec mon âme et conscience. Je savais que ça n'allait pas faire que des heureux, mais moi, j'étais clair là-dessus. C'était mon choix. Et voilà, j'ai pas. Je savais ce qui pouvait se passer, ce qui allait se passer, mais peur, non, ça m'a pas fait peur plus que ça. C'est autre chose, hein. Moi, je me souviens, déjà, c'était mon premier match en Ligue 1 quand je suis venu ici. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce guet-apens, quoi? On s'entend pas sur le terrain. On sent vraiment qu'il y a une pression. On sent qu'il y a, enfin, je sais pas, nous ne sommes pas 11, mais des milliers. C'est ça, on dirait qu'on est 18 contre 20 000, quoi. C'est prenant. Et le fait de le vivre dans l'autre sens, bah, en fait, ça inverse le rapport. Quand sur un contrôle, tu élimines un adversaire et tu as l'espace devant toi et tu entends le public, ça donne la force, ça donne l'envie.